le psaume 34, le verset 4, c'est le premier fragment de la phrase qu'il dit, exaltez avec moi. Exaltez avec moi. David pouvait dire, exaltez l'Éternel. Mais il n'a pas dit, exaltez l'Éternel. Il pouvait dire, exaltons l'Éternel. Puisque en disant, exaltons l'Éternel, eh bien, il dit aussi, lui, il doit exalter l'Éternel. Mais il n'a pas dit, exaltons l'Éternel. Mais il a fait une invitation. Exaltez avec moi. C'est à souligner. En faisant l'exégèse de ce passage, nous voyons que, eh bien, David réalise pour ce que Dieu a fait pour lui. Il réalise sa bouche seulement ne peut pas publier les bienfaits de l'Éternel. David réalisait ses mains seulement ne peuvent pas, alléluia, applaudir l'Éternel. Alléluia. David a dit, je vais inviter d'autres personnes. David réalise, ces mots ne sont pas suffisants. Ces expressions pour dire qui est ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il a fait, ne sont pas suffisantes. Il dit, non, je ne peux pas le faire tout seul. Parce que ce que Dieu a fait pour moi, c'est comme si c'est pour 10 personnes qu'il l'avait fait. Ce que Dieu a fait pour moi, c'est pour 20, 30 personnes. Alors, si mes mots ne sont pas suffisants, je vais inviter les autres personnes à exalter l'Éternel avec moi. C'est pourquoi c'est dans ce même sens qu'en ce soir, plus de 6 églises se mettent ensemble pour exalter l'Éternel. Si vous, alléluia, réalisez cet acte d'amour, un acte d'exaltation, je vous demande à se mettre debout pour applaudir ce que vous-même vous avez fait en ce soir. Alléluia. Ce que vous avez fait, l'acte de reconnaissance, je vous demande à vous applaudir parce que, alléluia, vous êtes reconnaissant envers Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est important pour comprendre, eh bien, les bienfaits de l'Éternel. C'est pas sans raison que nous avons organisé cette action de grâce exceptionnelle. C'est pas sans raison David a invité les autres à exalter l'Éternel avec lui. C'est pas sans raison. C'est lui en action à inviter l'église de la compassion, l'église de la terre promise, l'église du messager du dernier temps, à inviter, alléluia, l'église de l'union, à inviter, eh bien, tant d'autres églises, des membres de d'autres dénominations, pour dire, venez exalter l'Éternel avec nous. Aïe, aïe, aïe. Je réalise. Certainement, la fête ne serait pas aussi belle, la salle ne serait pas aussi jolie si c'était seulement les membres de Cellule en Action. Je vais plus loin, puisque ici c'est l'église de l'Union. Si c'était seulement l'église de l'Union, la fête ne serait pas aussi belle en ce soir. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Venez exalter l'Éternel avec moi. Premièrement, j'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Aïe, aïe, aïe. Des gens qui t'a vivent de la peur. Des gens qui pas qu'à sortir la caillou. Des gens, alléluia, yo qu'on fait semaine, deux semaines, yo pas qu'à sortir. Mais pendant l'année 2023, l'Éternel passe son coup de volant. L'Éternel change ça. Moun qui pas de papier depuis 10 ans. Moun qui pas de papier depuis 15 ans. Moun qui pas de papier depuis 20 ans. Et puis l'Éternel baille au 4 de ses jours. Un moun qui l'a dans sa là qui comme ça. Frappez-moi, mettez-vous debout pour frapper-moi pour l'Éternel.
moun ki konsa moun l'Éternel bay papier en 2023 moun l'Éternel alléluia li passé avec yo. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et quand on arrive, ennemi en te confort peur. Et quand on arrive, ennemi en te confort même trembler. Mais l'Éternel rentre dans la vie. L'Éternel passe pour l'entourer. Le Père rentre. Le Fils rentre. L'entouré par la Trinité. Ennemi te confort courir. Et puis qu'on y a campé devant ennemi. On dit au nom de Jésus, c'est pour reculer. Au nom de Jésus, c'est pour terrasser. Au nom de Jésus, c'est pour rentrer en bas. Au nom de Jésus, c'est pour tomber. Parce que le Dieu vivant m'a donné la force et la puissance. Pas peur encore. Ah, dis-moi mon coton là, pas peur encore. Oh, parce que fils aimé, m'pas paix encore, attendez. Parce que Dominique, m'pas paix encore. Parce que Charles, m'pas paix encore. Parce que ici, m'pas paix encore. Moi, pas paix encore. Parce que mon caverne, les pas qu'on petit bataille. Mon caverne, non. Les plus forts que l'ennemi, les plus forts que Satan, les plus forts que diable ciel, les plus forts que Sobap. Pas peur encore. Alors je vais exalter l'éternel. Deuxièmement, pour économiser le temps, je vais exalter l'éternel. Pourquoi? Quand on tourne vers lui, le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvert pas. Faut-il sourire dans la salle? Faut-il sourire? Faut-il éclairer dans la salle? Alléluia! Gardez bel monde, gardez bel monde, gardez bel bagaille. Mon visage est rayonnant de joie. Il y a quelqu'un qui dit, évangéliste, comment faire Shelby comme ça? Je ne dis pas poser une question, poser Jésus question. C'est l'Éternel qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Il le fait. Je ne sais pas ni comment. Je ne sais pas ni pourquoi. Mais il a. Que l'on veille ou non, Dieu l'a. C'est pas parce que pas un problème non qu'il faut rire au nom des joies comme ça. On m'a dit ça, à travers pendant semaine dans cellule était sans soldat de Christ. Maintenant, il y a mon qui millionnaire, il a cherché son petit sourire au patron. Aïe. Comment tu peux savoir par là? Que mon qui gagne carnet rempli, content de que rempli. Il a cherché son petit joie. Il a cherché son petit sourire au patron. La joie du Seigneur est ma force. Nan mi tan problème, nan l'Éternel bon force. Nan mi tan difficulté, à l'Éternel bon force. Nan mi tan maladie, l'Éternel bon courage. Oh alléluia! Nan mi tan situation qui paraît impossible, Dieu est ma force. La sœur Natacha dit, le grand monde, il fait ça. Alléluia. Laisse-moi conclure comme ça, parce qu'il y a d'autres choses à faire. Il dit, dans le verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les créent et il les arrache. Il les arrache au danger. Mindou. Il y a des lèvres où sorti, ou pas sorti pour rentrer la caille. Oh, ça, elle m'y a été fait. Ça, pas qu'à te faire. Ou pas
sorti pour entrer la caillou. Ou t'es sorti pour entrer l'hôpital. Ou t'es sorti pour entrer dans la morgue. Mais l'Éternel m'a protégé. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et il les arrête. Mettez debout, applaudis mon Dieu pour protection. Alléluia. Le Dieu gloire, le Dieu de gloire. Le Dieu merveilleux. Alors, c'est pas sans raison. Si vous êtes ici présent dans un esprit de reconnaissance, il a fait des grandes et des grandes choses. Il change la tristesse en allégresse. Il change la défaite en victoire. Il change la souffrance en délivrance. Il change le cercueil en calèche. Il change le cercueil en calèche. Qu'est-ce que cela veut dire? Calèche, c'est bagaille, moun qui pral marié. Au lieu à l'enterrement ou pral non mariage. Au lieu, c'est l'on m'a contré la caillou. Alléluia. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la victoire qui va rentrer. Que cette année 2024 soit une année de victoire pour chacun de vous. Puisque Dieu, comme vous n'êtes pas ingrat envers lui, il ne sera pas ingrat envers vous. Moun qui souhaite pour lui, lui changer. Tout simplement, m'a dit waouh. Tout simplement, m'a dit garde gros son bon Dieu. Tout simplement, m'a dit, m'a pas comprendre. Mais tout simplement, m'la game by bon Dieu. M'la game pour m'servir bon Dieu. Je vous encourage à servir Dieu. Je vous encourage à demeurer auprès de Dieu. Comme